Bonjour le petit soleil, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas du tout la grande forme, je suis encore malade, ça se voit sur le visage. J'ai un rhume. Bon, j'espère que ça va passer. J'ai encore un petit peu mal juste ici à la gorge. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Désolée pour ma chaise, enfin soit. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour cette petite box du mois de mai qui est toute mignonne, je trouve. Toute couleur printemps, oh là là, Axorium, elle est toute mignonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, on va s'ouvrir le petit colis du mois de mai. C'est la box qu'on ouvre tous les mois maintenant depuis janvier, si je me trompe pas. Et du coup, on va s'ouvrir ça. Allez, on commence tout de suite. Vous savez, on ouvre comme ça, hop, 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 hop. Ça s'ouvre toujours comme ça, c'est un aimant. Je la mets sur la table juste devant moi. On a toujours notre petit mot comme quoi qu'on a notre petit colis entre les mains et qu'on a deux livres format poche à notre possession et qu'on a des petites surprises. C'est tout mignon. Par contre, regardez le petit papy tout mignon, tout jaune comme ceci. Il est tout mignon. J'aime bien leur petit papier de soie. Du coup, on ouvre ça. Je sais que ça fait un peu de bruit. On a le petit papier Ice qu'il y a dans la boîte, mais je ne regarde pas. Du coup, je vois un truc comme ceci qui se présente dans la boîte. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait du tissu. Du coup, on va s'ouvrir. Waouh! C'est un petit sac tout mignon. Bandoulière. Je vous montre les bandeaux et je vous montre le détail. Il est trop mignon, mais il est trop chou ce petit. Je sais pas exactement, un livre on dirait. Dites-moi à quoi ça vous fait penser. Là on voit un livre, un nez, des yeux. Il est trop chou, j'aime bien. Voilà pour la première petite surprise. Je le replie, hop. Bon, il était plié en deux. Je le mets devant moi. Je vois un autre truc. Ça, par contre, ça intéressera beaucoup de monde. Comme ça ne se voit pas trop. Mais il est marqué le chocolat de poche. Les 3 ans du petit colis. Du coup, ça fait 3 ans qui envoient des boîtes comme ça. Du coup, voilà. Je vous montre de plus près ce que c'est. On a des photos, des box. Je suppose qu'ils ont déjà fait. Voilà. Du coup, on a chocolat au lait caramel 34% d'arôme naturel. Voilà, c'est. Ça n'a pas l'air un chocolat très. Il doit être très bon et très. Ah. Par contre, je sens qu'il y a une carte dedans. Voilà. Un gratuit à la valeur de 12 euros. On a une petite carte cadeau qui était dans le chocolat. J'ai juste déballé pour vous montrer. Ah, il casse en deux mon chocolat. La tablette. Voilà la tablette de chocolat. Je le remets comme ça. Et du coup, on a un petit code promo juste derrière. Enfin, le site. Je vous montre le site si vous voulez faire pour et le prendre. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Si ça vous intéresse, je dépose à côté. Du coup, bah, je suppose que c'est ça. Coffret échantillon gratuit. C'est pour les petits déjeuners. Si je vois bien, je vous montre. Voilà. C'est des céréales pour votre portion individuelle. Bien sûr, c'est bio, favori. Ouais, ils expliquent comment acheter sur internet. Voilà la petite recette qu'on voit au-dessus. Alors, comme d'habitude, on a toujours ces jolies marque-pages. Celle-ci, elle est trop mignonne. Et celle-là est aussi trop mignonne. Voilà, on a toujours un petit texte. Le bonheur n'est qu'un bon savoir et la lecture d'un
Poumon, poumon, qui n'en finit pas. Là, j'ai un truc, je sais pas si c'est un P, un M. Je vous montre. Vous faites pause si vous avez envie de le lire. Le mot qui me bloque, c'est celui-ci. Franchement, je sais pas si c'est un P ou un M. C'est pas trop bien écrit, mais elles sont toujours aussi belles. Et alors, on peut écrire toujours derrière. Il y a le titre du livre, l'auteur, mes impressions et mes pages. Mes pages, c'est mes pages préférées, je suppose qu'on met. Du coup, la boîte est vide. Je vous montre. Et j'ai en possession du sachet. Du coup, je tâte. C'est un plus grand, un plus petit. Je veux regarder. On voit pas. On voit juste ça en fait. Comme ça, vous voyez aussi ce que j'ai vu. Allez, on va prendre le premier. Comme souvent, on... je sens qu'il y en a un qui a l'air un petit peu plus gros que l'autre. Du coup, on va prendre celui-là. Vous le voyez avant moi. On dirait une personne qui fait de la gym. Parler et me faire pas cuire du riz. Parler, ne faire pas cuire de riz. Voilà. Trop mignon. Parler, ne pas faire cuire du riz. Ouais. C'est un livre comme ceci. L'écriture dedans. Ça a l'air d'aller. Voilà. C'est pas trop petit, c'est pas trop grand. Il y a, je sais pas combien de pages, plus ou moins. J'essaie d'aller au bout. Là, j'ai la dernière. 100. 100. 300, 317 pages qu'il y a. Voilà. Du coup, je vais essayer de vous lire le résumé parce que c'est vrai que j'ai dur à parler longtemps avec ce rhume. Et je tousse encore. À bientôt 4 ans. Jeannette, Janine, est à son boulot. Plus de mecs au travail qui me rapportent rien. Une relation tendre avec sa mère et ses kilos en trop. Sa vie est très proche du dé oh des désespère désespère. Oh, enfin de l'aide pour faire le point. Ma sœur lui offre une semaine de vacances en cure de jeunesse. Le pire cauchemar de Jeanne, c'est de payer un basket et de la retirer. Hein? Ouais, je sais pas, il me semble pas le résumé là. J'ai même pas envie de finir le reste. Je vais vous le montrer. Si vous avez envie de faire pause pour le lire, je vous laisse faire. Mais c'est vrai que je suis. Je sais pas si vous entendez, mais voilà. C'est très très bien. Du coup, on va prendre quand même le dernier. Je sais pas comment on fait. Si... Ah, je vais à bout. Je vous laisse voir en premier. Voilà, c'est un livre qui m'intéresse. Oui. Du coup, plus de nouvelles offres. Aston of Infinite Love. C'est pas l'air mal comme livre. C'est un livre aussi assez bien résumé. Par contre, je ne sais pas si c'est plusieurs saisons ou pas. Ça n'a pas l'air. Nous Infinity, ça qui me plaît, oui. Du coup, j'ai pas pensé à vous dire celui-ci. Il est à 6. À 7, 4, 6,60. Prix France. Voilà, parce que nous, moi je suis pas en France, je suis en Belgique. En France, c'est 6,60. Et celui-ci, il a l'air très beau. Une adolescence démarrant en San Francisco. Elle compte bien apprendre sa vie en mer et poursuivre son internat au sport de combat, obtenir sa licence de
Mangama. Madame, je sais pas quoi. Enfin, soit. Et surtout garder sa discrétion avec les gens masculins. Elle embrassera plus jamais personne. Plus jamais, au moins, que la rencontre que Nat séduira le boxeur au passé sombre et son fils de 4 ans, aussi charmeur que son père, vient perturber sa dernière règle alors que leur chemin ne sert à sans sans sert se croiser. Oh là là, Dylan sent son cœur et son corps s'évanouir et ce trouble passer la honte à nouveau. Voilà le petit résumé. Il n'a pas l'air mal. J'ai beaucoup de livres pour le moment à lire, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal de lire. Comme je ne suis pas malade. Et puis, normalement, j'aurais eu mes résultats. Mais ici, au moment que je tourne, je fais les cours de secourisme. Mais normalement, quand vous allez voir, vous, la vidéo, j'aurai fini et j'aurai eu mes résultats. J'espère que j'aurai réussi. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Si j'ai réussi mon cours de secourisme ou pas. Et n'oubliez pas d'aller voir mes réseaux sociaux, sont dans la barre d'infos. J'ai un groupe de lecture. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller. Je vous accepterai. Comme ça, tous les soirs, enfin, quand je lis ou quand des gens mettent, je mets toujours le livre que je lis et je dis ce soir, je vais lire ça et vous allez lire quoi? Et du coup, vous pouvez me répondre sur les réseaux sociaux. Et tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos pour plus de détails. Voilà. Si vous voulez des questions, mettez-moi un petit commentaire. Je mets le site de la box de petits colis dans l'information. Aussi, vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos. Du coup, voilà, je vous laisse avec ce petit livre, ces deux petits livres. Dites-moi lequel que vous préférez. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!